Soyez prudent si vous avez des animaux à la maison. Cette jolie fille s'est fait retirer un verre de l'œil. Tout à l'heure, elle faisait de la gymnastique à la maison comme d'habitude. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle s'est aperçue que ses yeux étaient flous. Elle pensait qu'elle avait trop de cire pour les yeux. Mais après avoir cligné des yeux plusieurs fois, elle s'est aperçue qu'elle ne voyait pas clairement. Elle a eu tellement peur qu'elle a appelé à l'aide. L'équipe de secours est arrivée et a aidé la jeune fille effrayée à se relever. Le capitaine s'est demandé si elle n'avait pas été mordue par quelque chose lorsqu'il l'a vue avec deux yeux blancs. La jeune fille a déclaré qu'elle avait toujours eu une bonne vue, mais que ce matin, elle l'avait soudainement perdue. L'équipe a constaté que sa tension artérielle était normale et a exclu d'emblée un problème de circulation sanguine. À ce moment-là, ils ont remarqué que quelque chose bougeait dans les yeux de la jeune femme. Le capitaine, qui avait été à l'école, a immédiatement pensé à un parasite appelé « mouche à taureau ». Ils pondent leurs œufs dans les yeux et utilisent les larmes pour extraire les nutriments. Ce ver se trouve principalement dans le bétail. Alors pourquoi était-il dans les yeux de la femme? Il s'avère que cette femme est professeure de yoga et qu'elle pratique beaucoup le yoga de la chèvre, le yoga du lapin et d'autres activités. C'est ainsi qu'elle a été accidentellement infectée par le parasite. L'équipe a pris une pince et a retiré les vers avec précaution.